Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on fait un point sur le mode éditeur de Webflow. C'est un mode qui vous donne accès à des fonctionnalités simplifiées du mode développeur pour faire évoluer votre site très facilement en modifiant des textes, des images, en rajoutant des liens, en rajoutant des nouvelles pages comme des articles de blog ou même des nouvelles sections dans votre site. Donc c'est parti, on commence avec la première étape pour vous créer un compte éditeur. Donc la première chose, vous allez recevoir un mail de votre développeur. Vous allez pouvoir cliquer sur Join Now pour créer votre premier compte éditeur. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous êtes redirigé vers votre site et vous avez un pop-up qui va s'ouvrir en bas à Webflow où on va vous demander votre prénom, votre nom, votre adresse mail, elle sera déjà rentrée par défaut. Vous allez pouvoir rentrer votre nouveau mot de passe et cliquer sur Join Now pour créer votre premier compte éditeur. Maintenant, c'est bon, votre premier compte éditeur est créé et vous allez pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités du mode éditeur avec une nouvelle barre, vous voyez, qui s'affiche en bas, où vous allez pouvoir accéder aux pages statiques, aux pages dynamiques, aux formulaires de votre site web et à tous les paramètres du mode éditeur pour faire évoluer votre site. Donc, je vous conseille d'enregistrer cette URL directement dans vos favoris. Et si vous ne retrouvez pas comment accéder à nouveau au mode éditeur, c'est très simple. Vous allez sur votre site et vous rajoutez à côté de l'URL slash point d'interrogation edit. Et là, vous serez directement redirigé dans le mode éditeur de votre site. Voilà, à vous de jouer.